Et coucou YouTube, bonjour. Pour ceux qui regardent uniquement One Piece, vous ne m'avez jamais vu, mais je suis là. La cam est installée et nous partons pour continuer le mode rêve ainsi que la tier list des personnages. Et on commence par Nico Robin, Nouveau Monde. Filtre micro, si j'utilise quand même quelques filtres. Comme les noise gate, compresseur et suppression de bruit. J'utilise. Les filtres OBS. Niveau pièces, on peut rien faire de plus. Si, on peut monter ou ça. Pas beaucoup par contre. Toujours Shanks qui nous manque. Mais bon, ça. On n'y peut rien. Je vais la déplacer parce que c'est pas la même, le même jeu. On va la mettre là. Comme ça, ça est... on verra toutes les infos. Et on va se faire barbe blanche aujourd'hui, tiens. Notre ultime combat aux côtés des pirates de Grand Line. Barbe blanche, barbe noire ou quartier général de la marine? Barbe blanche. J'ai des petits problèmes de son. Ah bah ça, après, il faut les régler. Faut tester un peu tout. Mais dis-toi qu'en plus, les problèmes de son, t'en auras souvent. Moi-même, j'en ai souvent, parce que dès qu'il y a une mise à jour OBS ou une mise à jour Windows, tes paramètres son se réinitialisent à zéro. Donc il faut que tu refasses tout après. Et c'est assez chiant. Merde, j'ai pas regardé si Marco était à fond, je pense. L'ombre des flores. Jamais joué à celui-là de jeu. Il est sympa si t'aimes taper un peu sur tout. Un défouloir. Et si t'es One Piece, bah je pense que t'aimeras ce jeu. C'est... Je trouve que c'est un des meilleurs jeux One Piece. Territoire capturé. Mais plus rien. On va capturer ce territoire en bas, puis on va se faire Burgess. Fait Dragon Ball Kakarot. Je dois le reprendre parce qu'il y a plein de DLC qui sont sortis. Le dernier DLC que j'ai fait, c'est celui de Trunks du futur. Je crois que j'ai Bardock à faire et le combat final entre Goku et Vegeta. Pierre, oula. Pardon. J'ai même pas eu le temps d'arrêter le micro. Il m'a surpris. Hop, on va prendre les couilles de Burgess.
Et voilà. Kiffe bien. Dragon Ball Kakarot est un bon jeu. Et là, j'attends le Sparking Zero. Là. On a vu du gameplay hier. J'étais perplexe hein, face au jeu. Mais le gameplay, bon, le gameplay est très bon. C'est un niveau, niveau au-dessus de Tenkaichi. Quoi. C'est un mélange entre Raging Blast et Tenkaichi. Et c'est beau. Maintenant, je veux voir le rooster. Parce que s'ils nous foutent 10 000 Goku, voilà quoi. Pour ceux qui disent qu'il y avait déjà 10 000 Goku, dans Tenkaichi 3, oui, il y avait Goku petit, Goku début, Goku milieu, Goku fin. 3 Goku. Et Goku GT avec 5 Goku. Là, s'ils nous foutent Goku super, Goku machin, Goku machin, Goku machin, sachant que j'avais l'impression qu'il y avait Goku, Super Saiyan God, Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan, et tout ça, en termes de personnages différents, et pas en termes de même personnage. Plus mitigé face à ça. Voilà. Parce que s'il faut un Goku pour chaque transformation, et pas pour chaque période, comme Tenkaichi, c'est bof. Mais oui, par contre, les combats sont incroyables. Avoir la maniabilité du truc, hein, mais... J'imagine que comme tout jeu, on peut s'y adapter. Parce que ça a l'air ultra nerveux. Un peu comme pour les persos, comme je dis. Bah, comme je dis, s'ils font un perso par transformation, c'est chiant. Quoi. Parce que Goku qui a 10 000 transformations, tu vas avoir que des Goku dans le roster. Et quand ils ont montré le roster, c'est l'impression que j'avais. Donc, Par contre, le truc auquel va falloir s'attendre, et c'est certain à 10 000%, c'est des persos DLC à 10 balles. Ça, c'est certain. Vu que c'est ce que font les jeux maintenant, c'est certain qu'ils vont faire ça. Après, si des gameplays... les gameplays sont bien développés et qu'ils se ressemblent pas tous et ça, oui. Un pack de 3 persos à 10 balles, pourquoi pas. Entre le perso à 10 balles, j'aurais du mal à digérer. Bawapol. Ah. J'allais lui péter les couilles. Allez, les couilles en acier. Hop là. C'est fait. Idoï. Robin qui fait, c'est dégueulasse. C'est horrible. Je fais pas trop attention à mes points d'exclamation, moi, ça va pas. Là-haut et Chopper en rouge. Yoshi.
là un métier s'est arrivé. Bon, j'en répète pas. Hop, des transformations et on fonce vers les chefs. Il a ramené qui avec lui, Akainu ? Il a ramené à Aokiji. Est-ce qu'il a ramené Kizaru ? On aurait les trois amiraux contre nous là ? Hop, on pète les couilles d'Akainu. J'aurais dû le faire après qu'il ait brisé sa barre de vie. Ah, tu peux être un Logia, je m'en fous, j'ai perception de la forme véritable. La perception de la forme véritable sur Robin doit être un des plus abusés du jeu. Ouais, y a pas un truc genre... Pof lourd, c'est juste. Elle a pas le clutch. Elle. Donne quoi ça? Ok. Dans ce cas, montez tous. Fais attention, ma caméra est bonne. Oh, elle ne cache rien, ma caméra est bien là où elle est. Elle est très bien là où elle est. Là j'ai défoncé un... Ah, t'as un commandant de la marine géant, ok. Et là on a Aokiji du coup. Ouais, c'est ça. Hop, allez, pétons les couilles de Kuzan. Ah, il va se tirer. On l'a chopé au vol. Robin qui réagit à Kuzan 2 ans plus tard, quel genre de personne est-elle devenue? Qu'essaies-tu de faire? C'est exactement ce qu'elle pourrait lui dire en le rencontrant alors qu'il est dans l'équipage de Barreau Noir. Encore? Les villageois, ils s'en prennent par la tronche. Hop, je dois sauver. Et on a l'air de voir qu'il va pas tarder à arriver vu la musique. Est-ce qu'il va arriver Barbe Noire? Logiquement, en haut à gauche. Quand on sauve un villageois, faut l'approcher pour recevoir la récompense, sinon le jeu n'avance pas. Hot Chopper, il est monté à fond en termes d'amitié, donc ça sert à rien de le prendre. Ouais, je regarde après, je me souviens plus qui est-ce qu'on a monté à fond. Si Barbe Noire apparaît, est-ce qu'il apparaît avec tout le monde ici? Ouais, on va dire ça. Parce que le nombre de points d'exclamation n'est pas... Il devrait être. Que Matt. Et bon, on a les points d'information qu'il faut, on peut le démonter.
Et on les prend les couilles. JVP, c'est moi ou le stream rap? Ah, il vient juste de ramer et c'est parce que j'ai géré ma caméra. Mais va. En fait, c'est dès que je quitte l'écran de jeu et que je clique sur OBS, et du coup, ça prend pas. Ça rame. C'est comme ce que je disais sur Fortnite en fait. Dès qu'il se passe quelque chose et que je fais sur une autre fenêtre, ça crée une latence en ramant. Ouais, ça va. Confrontation tout azimut entre ces deux-là. Sanji Zoro. Encore ? Tous les deux, je les ai à fond dans tous les cas. Ouais, je prends Sanji. Wiper. Où je dessine, là je vais installer mes câbles MDR. Dessiner pour le boulot, enfin pour le boulot, l'école. Bon, Vergo, c'est sûr que je l'ai pas à fond. Donc je vais le prendre. Et ouais, je voulais voir la présentation des techniques. Du coup, ouais, j'ai compris. C'est toi, Matt, qui m'avait expliqué pour la chatte cambrioleuse. En gros, il faut qu'on déclenche l'attaque Kizuna de Nami. Mais il faut que Nami soit en tant qu'allié. Ouais, c'est ça. Et pas qu'on la contrôle. Donc, voilà. Parce que sinon, il dirait attaque Kizuna de Nami en tant que Nami, comme ils disent pour Sanji. Mais bon, c'est. Va comprendre ça, quoi. Dommage, elle perd le clutch quand elle est en 2 ans plus tard. Pandula, c'est sympa. C'est quoi, c'est un contre du coup? Pendant qu'elle parle, disons... ouais, bah, c'est pour ça que ça me passe au travers. Là, okay. Thank you.
Moi j'adore cette attaque, que ce soit elle 2 ans plus tard ou 2 ans plus tôt. Ça fait mal cette attaque. Donc c'est de l'attaque, donc c'est sympa. Pour esquiver facilement et tout. N'oublie pas le spank. Toujours le spank. Mais tu préfères du coup toi 2 ans plus tard ou là 2 ans plus tôt? Là. Comme des 4 minutes. Avec X. Et il y a le combat plus fleuré aussi. Genre spammer. Genre au moment où tu déclenches tes combos avec l'effet en bleu, tu esquives. Genre comme ça. J'avais réussi à le faire avec des trucs comme sur la tête, ou alors c'est seulement avec un certain combo. J'ai réussi à le faire là quelques fois. Ah, en gros, elle s'avance et t'as le spank qui arrive après. C'est ça que vient. Ok. Moi je voulais refaire le coup de elle soulève le bras et elle fait ça sur le sol. En gros ouais, ça retient le spank et dès que tu recommences à attaquer ça le fait. Avec le temps il a tout spawn. Ouais, quand tu fais triangle direct avec ouais, ça fait plus carré, ça déclenche le grab. Ouais, ça allait faire quelque chose, mais vu qu'il m'a cancel. Yoshi,
J'avoue que c'est assez utile, ça fait perdre moins de temps, en gros ça lui donne plus de mobilité. J'étais aveuglé. Coup, quand ils subissent les coups des mains comme ça, quand on se fait un grab, ils sont ici, ouais. Il va falloir penser pour pas foncer sur. Ouais, ça dépend si tu veux, s'ils sont en plein brise-garde ou pas. Aussi. Ah, je suis avec ceux-ci sur le même. Oui, elle sort dans tous les cas un truc. Ça fait trop. Mon cerveau en est pas capable. Maintenant je refais croix en fait. Carré, carré, triangle, trois carrés, carré, triangle. Peut-être c'est trop de carrés. On peut le fleurer, c'est trois carrés. Mais pas en bref, j'allais jouer le jour. Mais c'est un des seuls personnages qui a un truc comme ça, non? Où ils ont tous un gameplay caché. On va essayer en plus de moi. J'ai réussi, je crois. Je l'ai réussi. C'était 4 chocs au lieu de 2. Allez, allons défoncer Zolo.
Ce type de gameplay marche avec tous les persos. Tu vois, je découvre encore des trucs des années plus tard. Et je me demande du coup s'il y a... Pour Pirate Warrior 4 aussi. Ce genre de gameplay. Bon justement. Vu que tu peux plus penser les combos avec les slips, j'avoue. Oh bah Genre Zoro il a pas de couilles quoi. On n'arrive pas à les choper ces couilles. Dash, ça coupe son attaque. Ouais, c'est pas un... Un cancel, quoi. Enfin, ça cancel juste l'attaque, c'est pas une esquive. Et hop, niveau 50, t'as. Ou encore mieux jouer Robin. Ou tous les persos, hein, parce que si tous les persos... Tu peux spammer un grab. Le mieux c'est avec Robin qui a des attaques indirectes. Oui, il peut faire ses attaques directement sans forcément être lente. Ça lui permet d'être beaucoup plus rapide. Ouais, faut que je prenne tous les persos sauf les 7 premiers d'équipage. À partir de Franky, c'est bon, je peux prendre tout le monde. Kaku Arlong. Dans les deux cas, il me les faut. Parce que c'est pas des persos jouables. Hop, Robin, c'est comme les autres, c'est terminé. Il manquera juste Shanks. À chaque fois, c'est que Shanks qui me manque. Après t'as le mode vitesse max où tu fais carry. Genre tu dodges à chaque combo. Ah mais je plains ma manette après. Cancel le salaud. Yeah, it's not that.
fait, vu que le combo que j'utilise le plus, c'est celui-là, c'est facile. Juste ça, ça me suffit. Par contre, oui, si je veux faire le stomp. Pas le stomp, le stomp, si c'est le stomp. Un spank. Je veux faire le spank, oui. Je te montre toutes les possibilités. Mais tout ce qu'on voit avec Robin, c'est que augmenter sa vitesse là, elle sera puissante. Et c'est sûr. Mais c'est toi qui la surnomme la technique de la cocotte minute ou c'est venu? Cocotte minute, c'est quoi? Parce que ça, ça met du temps avant de sortir, c'est ça? Oui, mais... Tu m'infantilises! Je suis pas content. L'attaque lui a un peu passé au travers. J'ai ça, j'ai rien. Ou alors il était en train de se transformer, j'ai pas vu, mais... Alors elle est débrouque. Yeah.
Il y a encore une. Du coup, je suis sûr que César adore se faire marcher dessus. Déjà, pas très résistant le Brook. Il a esquivé. Ah non, il a pas esquivé, il s'est pris plein d'âme dans la tronche, il a juste résisté. Ok. Avoir fait cette attaque sur Jabura, ça m'a fait poser la question, est-ce que les Logia prennent la bite des animaux qu'ils incarnent? Je sais, je suis pas normal. Mais oui, l'autre y répond en plus. Mais c'est censuré. Niveau 34 en réponse à tout. Eh putain. Tellement de kills, je suis déjà à 3000 kills. Après, cette map elle doit aider vu que c'est une map de boss. Ici en avant aussi, je peux pas attention à combien de kills je fais. Tout ce que je regarde, c'est si j'ai S ou pas. Ouais, ça les prend pas surprise quand on fait ça quand même. Y'a pas de. Ok.
si t'es en plein combo et que tu vas te prendre une grosse attaque, tu fais plein de doula. Parfait, X. Oui, plein de doula, ça te prend un souple. Tu peux le caler n'importe quand. Bah non mais... Robin est bien. Elle est pas mal, elle est pas mal. Pas mal, pas mal. Va falloir la caler. Soit devant ou soit juste derrière. Ouais, dans tous les cas, elle est moins puissante que Luffy 2 ans plus tard, mais... Nami, c'est une chute. Bah, elle se reçoit tous les coups, ouais, mais... Ou mettre Robin 2 ans plus tard. Ce qu'il y a, c'est que bon, bah, on va pas compter les Kizuna parce que les Kizuna ça rend forcément plus rapide et du coup tous les personnages deviennent plus puissants, quoi qu'il arrive. Mais si on compare Nami Robin, si on joue Robin comme on la joue, enfin comme tu la joues avec les cancels, attaques, tout ça, je pense qu'elle est plus haute. Mais si on la joue normale et qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas ce genre de gameplay, elle sera en dessous. Pour moi, là, je la mettrais au-dessus, perso, avec le fait que je l'ai joué, le nombre de kills, tout ça que je faisais. J'avoue que voilà, quoi. Ah. En fait, j'ai le Chrome qui est là. Sur cet écran là, mais là j'ai mis la Vermedia. Donc en fait il faut que je... Couper l'écran. Ou pas, si, non, si, non, ok. Juste le mettre là. Ouais, donc clairement... Pour le moment.